Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est à GigaFuite AHR. J'ai un nouvel invité. Donc, je vous présente mon gars Jay. Les gars, vous allez bien? Jay, qui est un coach et préparateur avec lequel j'ai bossé il y a 2 ans. Ça? Ouais, il y a 2 ans. On a bossé ensemble, justement ensemble sur la partie entraînement. On avait bien bossé sur le dos, c'est vraiment le focus à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on va faire une séance jambes ensemble. C'est lui qui va me driver. Donc ça va être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, enfin de ce que j'ai l'habitude de faire. On va être un peu plus dans l'explication, etc., un peu plus technique. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et moi aujourd'hui, je vais être bête et discipliné et je vais suivre à la lettre ce que Jay me dit de faire, tout simplement. Ok les gars, on va chercher à le tuer. Bon, comme Marco l'a expliqué, ça fait un petit moment qu'on se connaît, je pense que ça fait au moins 10 piges. Hein. Tout à l'heure, en arrivant, ce que je me disais, depuis ouais. Herblay, donc ouais, vers ouais, 8-10 piges qu'on se connaît. Ouais, 8-10 piges, on s'est connecté à Fitness Park Herblay, ensuite on s'est revu à Serge Léo. Non, ça fait... Entre-temps, j'ai suivi un peu son parcours dans le body, on a bossé un peu ensemble. Et le dernier gros truc qu'on a fait, c'était le voyage à Olympia. C'était pas des moindres. Ouais, c'était pas des moindres. Du coup, voilà. Je connais Marco un peu comme ma poche, en tout cas son physique, je le connais bien. Et c'est un bon ami également. Du coup, let's go pour la séance. On est parti. C'est parti mon gros. Je vais la reculer un petit peu après pour moi. Je suis un peu légèrement. Ça c'est ma bouteille déjà. Ouais. Moi, c'est une commande sur Fitness World. C'est sur 10, Marco 10. Marco 10 sur Fitness World Nutrition. Ok, les gars, Marco 10, Fitness World Nutrition. Voilà celui-là, les gars. Hey, c'est une dinguerie. Pump it, c'est ça. En soi, c'est le pré-pump celui-là. Pré-pump. C'est quoi le goût déjà? Stardust. Stardust. Les gars, commandez. Hein. J'ai fait mon placement de produit comme ça, en même temps, je peux boire un peu. Là, il va rien dire. Ah, on s'échauffe, t'as dit non? T'as dit quoi? On s'échauffe, non? Ouais. Regarde, t'en mets 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Je mets 5 plaques. On fait l'unilatéral? Quoi, mais c'est mon poids unilatéral, ça? Ça, c'est ton poids unilatéral. Je mets 4 de chaque côté. Et les gars, comment il est? Vous voyez comment il est? J'ai mes deux cuisses, ça fait une seule de ses cuisses déjà. T'as l'air d'être bien. Je me crois, c'est la première fois que je vais sur une presse qui glisse aussi, qui est aussi fluide. Je te promets. C'est cool ça. Ça change des presses qui accrochent là où. De ouf. T'as l'impression de pousser un âne mort. Tu sais que ça s'entend. Mais de toute façon, tu vas voir. Moi, juste quand j'ai décollé, j'étais choqué. Elle paraît plus lourde du coup. Non, plus légère justement. Ça glisse de ouf, c'est fluide de ouf. Combien? Non, ça y est, comment ça, les gars? Hey, c'est moi le coach aujourd'hui. Je cherche pas à savoir combien de reps j'ai fait, gros. À savoir, les gars, quand même, que le jour qu'on a planifié cette séance, je dis, ah, on s'entraîne ensemble, etc. Et tout à l'heure, il m'appelle pour savoir où j'étais. Il m'attend en question. On s'entraîne ensemble ou je te drive? Je dis non, on s'entraîne ensemble. Je dis, ah putain, je pensais que j'avais échappé à la séance. Ah ouais, laisse tomber. Tu sais que la dernière séance où on a fait les jambes, c'était il y a peut-être 6-7 ans. Ouais. Mais non, c'était avec Bison. Non. Ah, si, non? C'était à Serge Léo, gros, je me souviens. Avec Bison? C'était pas avec Bison. C'est avec un poteau à nous, là, qui est en Australie maintenant, là, d'Abéné, là. Ah, avec Ben, t'as vu, il en est sur une moto? Ouais. Eh, hey, il m'a choqué ma vie. Plus jamais. Les gars, il y a un monde entre eux et nous. Hein. C'est des body pro. Ça sert à rien de les suivre au niveau de l'écharge. 8 reps. 6 à 8 reps. On va rentrer directement en travail assez difficile. Dans le sens où je vais te demander 3 à 4 secondes sur la descente, même chose pour la poussée. Là, t'es déjà plein, ça sert à rien de continuer à mettre. Ouais, je vais travailler directement dans le dur. Marco, aujourd'hui, il a les cannes qui sont déjà. Ça reste un point fort, hein. Ça reste un point fort aujourd'hui. Hein. On va essayer de travailler cette dureté. Bon, ça, quand même, encore que je rate un peu de volume. Ouais.
Yep. Du coup, 3 et 3 ? On va faire 4 et 3. On va faire 4 et 4 ou 3 et 3 ou casser les couilles. 4 et 4, gros. 4 et 4, gros. Ah là, tu vois, c'est plus simple. Les gars, on va faire 4 temps sur la descente, 4 temps sur la poussée. Et quand vous regardez la vidéo, comptez en même temps que nous, les gars. There you go. 2. 1. Ah ouais, attends, pardon. Ah, il commence déjà, les gars. 4 temps sur la descente. 3, 2, 1. Tout doucement. 4, 3, 2. Donne-moi une grosse contraction ici. En apnée de ouf. Ça dit quoi? Essaye peut-être de limiter l'amplitude sur la descente. Très légèrement. Mais moi ça me va de faire ça. Ouais, ça te va. Mais juste 4 montées, 4 secondes montées, c'est ça qui me. Ça te. Je suis en apnée totale. Ouais, t'en vas le salva. Faire retenir la descente et on fait genre 4-1, 4-1 ou 5-1 si tu veux, tu vois. Vas-y, si tu veux, on fait mais ça. Mais 4-4, c'est pas. En fait, moi dès que tu m'as dit que t'étais déjà plein au leg extension. Non, même t'étais moi. Déjà plein en leg extension, c'était pour changer un peu ces. C'est ce mode de recrutement, tu vois. Vu que les quadris, en vrai, c'était sur un. T'es sur un muscle, comment dire ça? Un muscle freineur, tu vois. Il ralentit ta. Il ralentit ton mouvement de base. Tu vois. Ouh, les oreilles bouchées. Là, t'es comment, gros, là, au niveau des quads? Ça va? Bien. Mais moi, je peux assumer encore. Enfin, tu vois, je suis plein, mais. Ouais. C'est pas un problème, tu vois. Ouais. L'habitude. Toute ma vie, je suis plein. Ouais. J'ai l'habitude. C'est ça le délire. Moi, je fais toujours rentrer du volume, mais enfin, c'est pas un problème. Hey, les gars, la différence entre les bodybuilders et les mecs random comme nous, c'est que eux, dès la première série, ils ont une congestion de barbare. Elle est là, la vraie différence. Nous, souvent, nous, on est là en train de chercher cette première congestion, histoire de travailler dessus, tu vois. Vous aussi, c'est bien ça, Marco. Le secret pour avoir une bonne congestion, c'est d'utiliser le pump-edge, les gars. Pump-edge, il est où d'ailleurs le pump-edge? Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, comment ça il n'y en a déjà plus? Bon, ton checker. On fait pas un coup sur celle-là. Vas-y, on se fait du 4-1 alors. Voilà. Bah, tiens, rajoute un peu. Ok. Ça me gênait. Les gars, vous avez vu ou pas? Oh les gars. Oh yep. Bah, c'est lourd, ça remet ça. Allez. Oh. Hey, gars. Oh. Et hop, du coup, ralentis plus sur la descente. Ralentis plus, ralentis plus. Voilà. Oh. Yep, freine, 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 freine. Oh. Et cap ça, mon gros. Freine, 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 freine. Oh. Yep, essaie de ralentir encore, mon gros. J'ai l'impression que mon cerveau il va exploser. Ça m'a fait la même. Wow. Les gars, on n'avait pas la même charge. Hein.
Mais quand je me suis relevé, j'avais les oreilles bouchées, gros. Tête qui tourne. C'est sûr, c'est pas le pempage, ça. Les gars, Marco 10. Marco 10. Même les poids, ils glissent sur ces barres, tu vois. De ouf. D'habitude, tu galères. Tu fais une tendinite à l'épaule. Les gars, pas d'ego lifting. Pas d'ego lifting. Même si vous vous entraînez avec un bodybuilder, ça sert à rien de mettre ses charges, les gars. Restez humble, mettez ce que vous pouvez encaisser et faites du travail effectif. Gros, tu sais que si tu me tues là, comment je vais faire pour entraîner mes gars? Alors déjà, j'ai une simple question. Qui entraîne qui là aujourd'hui? Toi qui m'entraînes? C'est moi, je l'entraîne. J'ai peur si t'assumes même pas ta propre séance. Ça veut dire que je suis un bon entraîneur. Si les séances que je programme moi-même, j'ai du mal à les faire, c'est que c'est bon, gros. Même si c'est des bodybuilders pro chargés, les gars, ce qu'ils font ici, c'est pas un jeu. C'est vraiment très très chaud. Mettez du respect sur cette putain de profession, c'est mieux. Bro, dernière? Ouais. Même système? Même système. Toi, généralement, tu fais combien d'exercices? À peu près 4-5. 4-5? Ouais, généralement, je m'échauffe au leg, comme on a fait. Ouais. Je fais hack squat, presse, fente bulgare. Ouais. Et je refais du leg, tu vois. Ok, tu retermines avec du leg à la fin? Ouais. Parce que le leg, au début, je compte pas, tu vois, c'est ouais. Pour échauffement. Ah ouais, je fais comme moi. Ouais. Le leg, extension à la fin. Yep. Propre. Pas oui, me cramer pour rien. Elle est vraiment très 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 dure. Elle est lourde, hein. Ça change des merdes technogym qu'on a. Putain. En fait, j'ai l'impression, tu sais, vu que c'est une salle ici qui est un peu tenue par des bodies. Franchement. J'ai l'impression que toutes les machines au niveau de la maintenance, ça n'a rien à dire. Après, par contre, ils disent à Skip Panatta, ouais, Panatta, ça dure pas trop dans la durée. Ah ouais? C'est ce qu'ils disent, je sais pas. Ah gros. Non, vraiment, c'est quand même très très bien. Elle est lourde. Elle est très 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 bien. En plus, tu peux aussi régler le plateau là. Ah ouais? L'inclinaison, ouais. Ah, j'avoue, par contre, ça c'est une dinguerie. Parce que même moi là qui ressens une petite pression au niveau des genoux, le fait de le régler un petit peu après, ça sera pas. Il est bien réglé là en vrai. Yep. Moi je trouve qu'il est bien. T'as bien les talons écrasés et tout. Ouais. Les gars, l'importance de changer de salle des fois, changer un petit peu d'univers. Mais c'est pour se casser la routine. Il y a grave que je vais m'inscrire ici. Hein. Comment? Il y a grave moins que je vais m'inscrire ici. Bah oui. Oh putain, Mathieu. Ok, deux plaques. En vrai, je suis plein sa mère, de ouf. Tu t'échauffes encore? Hein? Tu t'échauffes encore? Pas compris. Les gars, vous avez vu? Là, il essaie de me piquer. C'est-à-dire, moi, je vais rester concentré. T'as capté? Je serais un mec, tu vois, gonflé d'orgueil. J'aurais mis une plaque en plus, là, de chaque côté. Mais ça, là,
c'est à perte. Ça, c'est à perte. Du coup, on fait abstraction, on n'écoute pas. Yep, super, une. Yep, deux, fais quatre. Yep, trois. Yep, bien mon gros. Ça, garde ça, garde ça. Voilà, reste en haut, retombe, nickel. Jump. Jump, il m'en faut encore quatre à partir de maintenant. Yep, une. Deux, comment Marco, il m'en faut encore deux. Garde la presse, frérot. Garde la presse, il m'a dit quatre. Déjà, à 8, tu t'es cuit. Oh. Les gens, ils aiment trop me dire ça, elle a encore 4. Mais c'est pas eux qui sont sous la machine. Les gars, elle m'a dit l'autre jour, il m'a dit la même chose. Encore 4. C'est ça, ouais. Tu sais pourquoi? Ça fait longtemps que c'est pas entraîné ensemble, gros. C'est-à-dire, tu sais plus, tu connais plus le seuil, tu vois. Non, si, c'est que vous toujours le seuil. Gars, tu vois. Pour les autres, il est toujours plus loin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Le vôtre, il est moins 4, mais pour les autres, c'est plus 4, tu vois, bande de bâtards. Ah, je suis mort. Alors, Walid, comme ça, t'as pas voulu faire des gens avec Marco. Hey, rendez-vous en octobre à Olympia. Là, là, il va avoir sa calife cette fois-ci, là, gros. Là. Tu vas voir cette année. Yup. Bon, allez. 9. Allez, encore 5. Oui. 5, hein. Hop. Ouais, c'est ça, ouais. Frérot, il me regarde comme s'il y en avait encore 2. Il n'y en a plus, gros. Ouh. Ah ok. T'as compris le concept? Ouais, moi j'ai pas besoin de faire ça gros. Gros. Les chevilles, elles rentrent là. Pierrot. Yo, t'as vu ça sur ça hein? Hein? Yo, yo. Marco est en galère mais. Les gars, regardez, vous avez juste besoin de faire ça. Hein. Frère. C'est bon. On n'a pas tous la même mobilité, souplesse, tu sais. Yep, on est parti. Les gars, je pense que ça se ressent, on commence à être cuit. Il est où le pump page? Il n'y a plus. Tu peux pas me faire gagner des sous, toi. Commande. Marco 10. En plus, t'as 10% avec Marco 10. Marco 10. Soit t'avais 10% avec mon code. Ouais, j'ai passé chez Watt. Je te le redis au cas où. Ouais, j'ai 10%, mais en plus, ouais, si tu commandes avant 14h, t'es livré demain matin. Il est où mon bigot? Non, franchement, une dinguerie. Même au niveau du goût, tout, il est grave bon. Ouh. Toutes les fois où je te l'ai pris, j'ai une congestion de barbare. Arrête de me gratter du temps de repos, s'il te plaît. La prochaine fois, je te prépare la séance, je m'entraîne pas avec toi, gros. C'est mieux. Les gars, c'est mieux. La prochaine fois, c'est moi qui te prépare la séance, gros.
Il n'y a pas d'histoire de je m'entraîne avec toi, là je te drive directement. Marco 10. Marco 10. Pose ma bouteille, ouais. Putain. Et le traîneur, il est venu que pour le pump page aujourd'hui. Ça, mon gros. Ouh. Mais tu sais pourquoi c'est bien, gros? Travaille de ta race. Pourquoi c'est bien, on n'a pas le temps. Hey. Toi, quand tu t'entraînes avec ton gars, vraiment ton bon gars, ça amène un peu de légèreté dans son boulot, les gars. T'as capté? Parce que c'est un taf, bodybuilder, c'est un taf où t'es tout le temps sérieux. Tu taf. On rigole un peu sur l'entraînement. Travaille un peu, tiens. Ouais, t'inquiète, gros. Hauteur de mal. T'inquiète, gros. T'inquiète, gros. On va faire les mollets, tiens. J'ai un tuto, d'ailleurs, pour les mollets, les gars. Ouais. J'ai un tuto pour les mollets, les gars. Par contre, ouais. Le suivez pas, regardez ces mollets. Le bâtard. Pierrot, n'écoute pas. Tu vas me suivre tout à l'heure, là, on va aller là-bas. Là. Je vais vous expliquer un peu l'anatomie des mollets, les gars. Après, la génétique, ça, c'est autre chose, après. Les excuses aussi, c'est autre chose. Ça, c'est... Allez, tiens, travaille. T'as capté. Ah, merde. Bien, gros. Je suis venu ce matin, mais je crois que ma balance elle a bafouillé. À combien? Marqué 110. 110? Non, ça m'est. Je crois qu'ils ont une balance ici, là, à la queue. Là. Non, bah ouais, mais pour aller voir. Après avoir. Ah, je vais reposer le jour du bilan. Mais je crois elle a bugué un peu. Ah, on est pas trop mal. Bien. Les gars. Ouais. Ça c'est un random et ça c'est un les gars. Ce mollet. Non. T'as un conseil pour les mollets pour la communauté? Conseil, ne le faites pas, ça sert à rien. Si vous les avez, c'est bien, si vous les avez pas, bah tant pis. Quel enfoiré. Alors moi je vais vous donner un vrai tips pour les mollets. Commencez pas à me juger dans les commentaires, tout ça, parce que je sais que Marco, vas-y. Moi je dis rien. Donc si vous savez pas les gars, les mollets, il y a deux chefs, les deux chefs les plus importants. Tiens, tu vas montrer. Donc il y a les gastrocnémiens les gars, les jumeaux. On les appelle les jumeaux ici, lui pour le coup, mon frère. Moi c'est des dinosaures, mon frère. Donc les gastrocnémiens et le solaire. Le solaire, tu peux nous montrer le solaire, mon gros? Solaire, il est juste là devant. Donc faut savoir que le solaire, lui, il passe pas à l'intersection. C'est-à-dire il s'attache que sur le tibia. C'est-à-dire le solaire, on va le travailler essentiellement quand on est assis. Vous allez travailler ici à la flexion plantaire quand vous êtes assis, les gars.
Donc le solaire, il va travailler que quand vous êtes assis. Et pour travailler les gastrocnémiens, ceux-là, il faut les travailler jambes tendues complètement parce que les gastrocnémiens, eux, ils passent l'intersection ici. Ils passent l'articulation. Ils vont s'attacher au niveau du condyle, derrière. Donc quand je travaille les jumeaux, jambes tendues. Quand je travaille les gastrocnémiens, jambes fléchies. Voilà. Donc voilà. Merci. C'était rien. Merci. Pour plus de conseils, j'ai suivi un entraîneur, venez me voir les frères. En tout cas, les gars, merci de nous avoir suivis. J'espère que cette séance vous a plu. On va essayer d'en faire quand même plus sur la saison 2024 avec Jay, pour vous donner un peu plus de tips, etc. Et varier un petit peu le contenu. En tout cas, vous connaissez, si vous avez apprécié, un petit like, un petit commentaire, partagez un maximum et abonnez-vous pour que la chaîne soit référencé du mieux possible et qu'on arrive à grandir le mieux possible aussi. Et voilà. Jay, merci encore. Au plaisir, mon pour gros. Cette séance. Ah. J'espère que la prochaine fois, tu assumeras du début à la fin parce que au début, tu m'as drivé. À partir du troisième, on t'a perdu. Mais non, c'était cool. Les gars, vous savez que Marco, c'est mon gars. Aujourd'hui, c'était plus un moment convivial où on a cherché à rigoler. Voilà, vraiment, les fois où on travaille vraiment dur, ça, c'est beaucoup plus sérieux. On ramène beaucoup plus de tips. Ils sont rares qu'à savoir que ce monsieur a un agenda pire qu'un ministre. Ah mais ça fait plaisir. Ça fait au plaisir, mon gros. Mon ref, merci encore. Au plaisir. Suivez Jay sur Instagram. On vous mettra son lien. Et encore merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Et attendez. Moi j'attends le sponsoring moi aussi. Je laisse le dire. Parce que là c'est Marco 10 pour le pump page. Mais idéalement bientôt Jay trainer 10 pour le pump page aussi. Je sais pas. Marco 10 c'est déjà pas mal. Les gars, Marco 10.